c'est un 5 kilos pour ceux qui font de l'aïkido. Ouais. Je viens ici, et alors ici c'est difficile d'agir. Donc je vais venir agir ici avec ma main. Oui. J'enveloppe et je monte pour déstabiliser son centre de gravité pour qu'il ne puisse pas contrôler. D'habitude, on se contente d'agir sur le poignet en venant travailler pouce contre pouce. Et on va là-bas. Ici, je ne vais pas me contenter de ça. Je l'amène là-bas, je travaille sur le petit doigt. Et je viens ici lui planter le petit doigt sur les côtés. Là. Avec le contrôle du coude. Ce qui me permet. Voilà. Vous voyez ? Mais il faut d'abord le monter là-bas pour exposer sa main. J'ai eu une réaction là de défense de Pascal qui a fermé les doigts ici. Donc pour défaire la force de. Vous pouvez commencer à travailler sur le pouce. Et là, ça vient tout seul. Donc là, vous voyez en double. Donc là, j'arriverai pas parce qu'il se tend très fort. J'arriverai pas sur à l'arrière. Donc je vais me mettre à l'avant. Ouais. Je viens sur l'avant. Donc ici, boum. Rotation. Je continue ma rotation, ce qui me permet d'avancer. J'ai fait mon pas la couverture qu'on a fait tout à l'heure. Je contrôle son coude et son doigt.